Non, ça a pas encore commencé, Robbie. Allez, bonsoir! C'est Final Fantasy VI. La fin. La fin. Alors, la fin, fermez les yeux, s'il vous plaît. Voilà, c'est bon, vous pouvez réouvrir. Parce que je me suis permis une petite session de farm hors stream. À chaque fois, je me plante de boutons. Où, du coup, j'ai appris... donc, Auréole est pas loin. J'ai appris Météore sur Terra. Et on se demandait, est-ce que je l'apprends aussi sur Céleste? Parce que l'endroit où je suis... L'endroit où je suis, là, c'est... je gagne 6 points à chaque fois. Voilà, je les ai mis pour tes bonus de MP, de magie. Go sur Céleste aussi? Ok. Parce que après... Odin, on va le transformer, c'est ça, si je me rappelle bien. Il va y avoir une petite vingtaine de minutes de farm. Ça va pas être très long, vous allez voir. Forcément, on commence par le pire des combats. Bonsoir, Cucu. Ouais, les combats dans cette salle, c'est 3 ou 6. Donc, ça va vite. Et j'ai des persos qui commencent à bien avoiner. Hein. Même Terra au corps à corps, c'est débile. Hein. Commencer avec une petite séance de farm là. Ah! T'as repéré où était la reine du coup? Pas du tout. FF6, alors FF6 c'est SNES de base, mais là c'est GBA, ouais, patché avec les musiques Super NES. Il faudra refarm. D'accord. Bah, c'est pas très très long. Dans la version GBA, bah c'est, elles ont été remixées, on va dire. Elles sont pas folles. Ah, j'ai pas de bol, hein. Comme d'hab, hein, une espèce de RNG, de chance négative. Enfin, tu me diras, c'est pas trop dur, ça me donne 6 PA. C'est ça, Dieu. Ça doit être ça.
que j'ai quasiment jamais eu ça. Oh, oh ça fait mal. Tu vois, elle met des 4000 hein, quand même, Terra, au corps à corps. Hein. C'est un peu débile. Hein. FF7 version PC avec la trad Neo Midgar. Sortant de là, faut vraiment que j'aille faire le plein d'objets. Faudra pas oublier. Prenez des levels, je sais que Locke a plus 30% HP à chaque niveau, Terra elle est à plus 2 magie. La trad officielle d'FF7 elle est notamment connue pour être très mauvaise. Ouais. Assez mauvaise. On en est où? Non. 48%. Ouais, Neo Midgar. Voilà. T'empêche pas de finir le jeu, c'est vrai. C'est pas Breath of Fire 3. C'est bien, Terra. Ah non. Ah non, non, non. Le meilleur, ça reste le raté de Grandia HD traduit en allemand. C'est juste qu'en anglais c'est Miss. Et en allemand ils ont traduit ça en Fräulein. Donc sur Grandia, je pense que ça a été corrigé depuis, mais au début tu ratais une attaque, ça écrivait Fräulein à l'écran. J'espère une version FR de
le Persona 5 avec ce niveau de traduction. Hein. La côté libre. La côté libre dans... dans Hunting Ground aussi. All your bazaar belong to us. Voilà. Salut Style. Et merci pour tes 2 ans de sub. Déjà. Oh putain, demain je dois rejouer à Dynamite Eddy. Que je me mette dans un état d'esprit shmup demain matin, ça va être compliqué. Hein. Oh là là, toutes les pizzas médium à 7,99 chez Domino's Pizza. Pas taffonné, mais si on le finit ce soir, le dernier donjon, il est assez long quand même. Ouais, ouais, ouais. Et après, là, le sort, on pourra le farmer avec les combats. Avec les combats en ressortant, ou trucs comme ça. Je vais pas le refarmer ici, le sort, après. La chambre de la reine, tu m'avais dit est ou ouest ? Peut-être là. Donc c'est de l'autre côté, est. Intrigue ce coffre, je le veux. Je vais lui remettre. Sidéral. Anticipation. Hop, voilà, on va lui remettre ça.
La forme. En plus, là, cette fois, pour BioShock, j'ai réussi à lancer correctement la version remastered, donc ça devrait être un peu plus beau. Donc ça va le faire. Wow. Jorus. Journal de la reine. Je suis amoureuse de Cyrodiil, c'est un amour illicite, je le sais, mais le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point. Du moins, c'est ce que l'on dit. Quand je pense à lui, mon cœur bat la chamade qui pourrait me le reprocher. Quand le conflit sera terminé, je lui avouerai mon amour. Salut Bégito! Odin, c'est un animal? C'est pas un grand mec en armure? Oh, 3 pas, joli. Non, FF7 janvier. Là, je vais profiter de décembre pour mettre sur des jeux que j'ai pas eu le temps de faire. Un SPR, même si c'est humanoïde, c'est difficilement humain. Ouais, ok. Mais dans le noir, on se ressemble tous, tu sais. C'est belle Thierry. Pour le coup, c'est là où j'étais. Mais merde. J'ai pas compris sur quoi fallait cliquer. Il y avoir un escalier. Ok, on va sortir et revenir. Petit 9000. Il faudrait sortir totalement de la zone et revenir. C'est les Ocrex. Ah, c'est ça le principe. Sur le trône du roi ou de la reine?
c'est pas beau, hein. Ah, c'est pas beau, hein. Comment tu le sais sans appeler la Solus Nintendo Direct, machin, là. Voilà, il y a un dragon. Alors, si vous voulez que je fasse le dragon, je save state, hein. Putain, et il y a un dragon en plus, là. C'est Kalios. J'ai pas beaucoup de MP, hein. Ça avance, Tyrol, ça avance. Voilà, doucement mais sûrement, c'est le but. Obtenu Zantetsuken. Zantetsuken ? Une épée, ça ? Épée qui élimine parfois la cible d'un seul coup. Ah ouais, mais c'est chiant les épées qui éliminent d'un coup, parce que suffit que ce soit des morts vivants et voilà quoi. Odin devient Raiden. Shin Zantetsuken, fend tous les ennemis en deux d'un seul coup. La célérité, ouais d'accord. Ah, un petit force plus 2 quand même. Hein. Tu peux choper un Raiden que tard car Odin est le seul qui file un buff de vitesse au stat. La version jouée aux F car il y a une autre invoque qui file de la vitesse. Pas l'impression qu'il y a un coffre, hein. J'ai spammé un peu partout ce qui pourrait être caché. Berserk et PS4 et Witcher et Xbox. Hein? Ah, les couleurs! Putain, Tom, t'es parti trop loin. Au fait, Shadow, il a décidé de rester dans les ombres. Sans déconner, le kappa. Gros Odin. Gros Odin.
Je vais en profiter pour... je peux pas faire de pierre de renvoi. Ouais, il faut que je sorte à la main. Donc je vais utiliser le sac de couchage sur tout le monde. J'en ai plein. Et on va sauvegarder. Rentre dans le château par la fenêtre, par les fenêtres de gauche. Château en haut, tu... Alors, tu parles à quel niveau? Le château là, là? Celui où j'étais? Là d'où tu viens? Donc je fais demi-tour. Pas à l'emmerde. Chaque fois. Terra qui met des patates aussi. Hein. Tout le monde met des patates. Sûr qu'il y a un truc incroyable. Ah oui, c'est pour ça que tu m'as dit soigner. Shinryu ! Ah non. Je crois que j'ai même plus besoin de faire le... Quoique, que 2700. J'ai pas vu ce que ça a fait le volet. Le rater. On va peut-être arrêter de le taper, non? Tout à l'heure, je vais le tuer. Ah, plus puissante? Ah. Ah, pas mal. Il me dit qu'il n'y a rien à voler après. Ah! Ah, ça, c'est ballot. Ah, je me rappelle plus. Ouais, mais c'est à partir de quelle touche la 360, c'est ça que je me rappelais plus.
Ouais, c'est gauche vers le haut. Galon de maître. Oh là, beaucoup d'argent. Alors déjà, on a chopé un témoignage d'une parfaite maîtrise de l'art du combat. Il permet d'enchaîner 4 attaques. Ah mais Murasame, j'en ai 2 en fait. Enfin pas que. Et ça sur Lock and Zoe the Show. En vrai c'est pas si pété que ça mais ça pique bien. Mais je suppose que je le mets à la place de ça quoi. Mais je perds beaucoup de force. L'effet des armes. Ah genre je peux plus avoir l'atomium qui se lance. Ah oui il attaque totalement random. Vache. Ok. Ah, faudrait que je lui trouve des armes qui fassent plus de dégâts du coup. Est-ce que ça vaut du coup pas plus le coup de lui mettre le truc pour tenir une arme à deux mains et de faire 4 fois plus de dégâts? Qu'est-ce que j'ai en arme sur lui? J'ai Ragnarok ou l'épée Ultima. Tu vois, Ragna c'est 255 je crois. Bon, on va tester. Peut-être que je l'ai plus. Je crois que je l'ai sur... Merde, je crois que c'est Sian qui l'a. Les dégâts sont quand même loin d'être dégueu. Hein. 8 fois 1005.
c'est un peu débile quand même. Et je peux pas mettre ça sur Umaro à la tour des mages. C'est bien de sortir comme ça, parce que là, les combats, je les explose, et ça apprend des PA pour Céleste. On va retourner à chercher la monture, enfin le... retourner chercher le vaisseau qui est du coup de l'autre côté. Est-ce qu'il me reste des trucs à faire? Il me reste juste la... Il reste juste la tour des mages et le truc de fin. Ah ouais, il y a le dragon de l'opéra, ouais. Là, il reste 6 dragons. Ça fait quoi déjà d'avoir les 6 dragons? Je pense pas que je les tuerai. Un truc rapide si tu veux cheese éventuellement la tour des magies, ça m'intéresse. Là où tu as chopé le falcon. Ça me parle pas. Ça donne une invocation. Que le rocher machin, on peut l'éviter. Ça donne une invoque. Au donjon secret. Ah ouais, c'est... Donc. On va aller en ville. Salut Guiche, on va. Ça y est, c'est la fin, ouais. Commence à être un peu pété et ça fait du bien. Regarde. J'ai pris une ville avec des... J'ai pris une ville avec des combats pour... Un labyrinthe dans le noir. Oh! 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 On peut pas montrer la luminosité à fond pour tricher. Alors attendez, on va faire un truc. Pour cacher l'obscurité. Oui, en plus, je pense que je peux. Mais... Ah, attends, je fais 2-3 petits trucs. Garde ça en tête, Romy. Je teste vite fait les objets, là.
Je vais faire le plein d'objets aussi. Il faut que je trouve une ville avec un marchand où il y a à peu près tout. Et donc là, c'est Gantlet. Permet de tenir une arme des deux mains pour augmenter sa puissance. Voilà. Et donc là, j'ai Ragnarok. Voyons un peu les différences de dégâts que ça fait. Restrain. Non, c'est clairement plus rentable en fait l'autre. Il est où Shadow? Alors. C'est l'histoire d'un... d'un héros. D'un héros qui n'a pas hésité un seul instant à donner sa vie, sa personne, son essence. Eh mais non, mais tout est vide là aussi, putain, pourquoi je vais là? Afin que notre groupe puisse continuer. On dira à jamais dans nos cœurs, bien sûr. Voilà, c'est quoi ces dégâts là? Voilà, pourquoi je fais plus de dégâts là? Qu'est-ce qui se passe? Enfin bref, Shadow. Comment ça je fais moins de 1000 là? Qu'est-ce que c'est que ces dégâts? Oh. Bah non mais j'ai remis comme avant. C'est pas juste Luc qui peut s'en servir. Oui. Thank you.
Ok, on est pas mal. Le Yeti, je l'ai déjà. Je pense qu'il n'y a plus rien à acheter. Là. En termes d'équipement, dans les villes, je crois qu'il n'y a rien. Il n'y aura rien d'intéressant. Alors, tu m'as dit. Oui. En bas à gauche, une île isolée. Celle qu'on voit en bas à gauche, qui est isolée. Ah, c'est pas là où... Ah oui, c'est là où on a perdu Monsieur Banane. Ah ouais. Ketzani. Le pire FF, trop gros, trop gros vent. Trop gros, trop gros. Alors, permet aux alliés d'effectuer une attaque en piqué. Ah ouais, booster. Ah, le booster X. Oh, le booster X. Équipe-le sur quelqu'un quand il ira faire le boss. Quel boss? Trop gros, Vamp. C'est trop gros. C'est trop gros. Est-ce qu'on retente la tour des mages? Allez. Avec cette invoque, oui. D'accord. Ah oui, attendez, 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 on va faire un truc. Ah merde, c'est pas là. You l'opéra. Mon méchant préféré, c'est Vamp.
Bon allez, amenez-moi des boss là. J'ai l'impression quand même que tu peux le casser très très fortement ce jeu. Alors attendez, je vais sauvegarder. Attends, non, je vais faire l'équipe d'abord. D'accord. Pas de FF, c'est vrai. Alors, donc il nous faut des mages. Donc dans tous les cas, elle. Elle. Maro. Lui parce qu'il a beaucoup de HP. Et alors l'autre... Voilà. Donc, bac colère, orbe du bizarre, on a les deux. Ah oui, il faut que je mette l'invocation. J'ai mis Yormund parce que HP obtenu plus 30. Et j'en fais quoi de cette invoque en fait? Je prends pas moque pour éviter les combats. Non, justement le but c'est de détruire la tour. Faire eh, j'ai pas remis Carbuncle, c'est pas grave. Vas-y, bloque en étant en pierre, bien joué.
D'accord. Ok, je vois pourquoi ça peut être pratique. Je l'ai déjà le vinyle et Horizon. Le Yeti il tape fort quand il fait pas son attaque de base de merde. Ouais mais Météore ils ont des boucliers. Théo ignore les boucliers. C'est une magie ça. Ah ouais. Ultima, j'ai pas. Par contre, ouais, il me déglingue. Et l'attaque surprise. Oui, bah je découvre un météore. Hein. Et merci Myrlan, du coup. Continue son sub. Elles éclairent pas mal et elles sont pas à fond. Sinon elles saturent. Elles saturent à la caméra. Par contre réussir à les synchro en termes de couleurs, c'est un enfer. Là, un bouclier. Thank you.
Les jeux sur la console Steam, non. Pour ceux qui aiment Fornor, la statuette Apollyon est à 20 euros. Sérieux? Waouh, elle est à 20 balles! Ah non, mais prenez-la, parce que c'est pas une statuette. Elle est pas comme ça. Hein. Elle est grande comme ça. Et elle est super quali. Hein. Donc à 20 balles. Non, mais moi je l'ai déjà. Non, Xavi. La seule douille avec Xavi, c'est que des fois ça peut mettre un peu de temps à arriver. Parce que ça part pas de France. Ah mais moi je cherche la statue du Shugoki, Dio. C'est pas la seule à 20 balles, 120. Bah s'il y en a d'autres de For Honor, je veux bien. Ah, du For Honor, enfin du Ghost Recon. Ça m'intéresse, moi. Merde, ils sont pas tous morts. Non, mais la statue du Shugoki, elle est introuvable. Ça consomme en mana. Hein. La taille qu'elle fait, hein. 26 cm. C'est la merde. D'accord, merci. Ça, ouais. Ça doit être le dernier étage. Je crois qu'elles ont pas de bouclier, elles. Ils ont résisté. Elle est dispo sur la cité des nuages. Bah non, regarde, c'est écrit sold out. Mais oui, c'est celle-là.
Bon, pas de fausse joie, parce que je sais qu'elle est extrêmement dure à trouver. La seule fois où je l'ai trouvé, si vous voulez, c'est au Japon. Hein. Vous ne m'aurez pas pourquoi. La tour, ça va. On est beaucoup mieux préparé. Combien d'heures de farming 25 minutes. Et tu vois, pas plus que ça. Il y a Rocket et Groot. Moi j'aime juste Rocket. Enfin, faut voir. À Gentle Giant, c'est de la très très bonne cam, normalement. Fait 11 cm. Elle est grande comme ça. Elle faisait 150 balles. Enfin, elle faisait 180 balles, elle est grande. Même pas. 11 cm, c'est minuscule. Et en plus, il y a 20% de réduction avec le code Marvel. Centimètres, c'est ça. Mais c'est minuscule. Ouais, non, mais en fait, je disais ça, mais non, c'est... Salut, Juanito. Ça me semble petit, en fait. Alors, excusez-moi. Hein.
Il change sa faiblesse. Bah, c'est comme le boss dans FF14 en fait. J'aurais dû refaire. Born to be wild. Merci Théodore M. Quand t'es 23 mois de sub. Des bisous. Bien joué. Ah oui, c'est vrai. Oui, non, mais t'inquiète, on me l'avait déjà dit. Il a l'air d'avoir masse de PV en fait. Ah, son plus synchro depuis hier, hein. Bah, oh, joli. C'est quoi là, l'arnaque? Je casse Berserk sur le boss. Ah! Et du coup, il fait plus que des attaques physiques. Apollyon dans FH, c'est la divinité qui justement alimente le conflit pour que les factions
les factions soient en guerre en fait. C'est le méga méchant, enfin la méga méchante du jeu. Ouais, ou au pire on laisse tomber la tour. Ouais mais Ultima je l'ai pas en magie. J'ai pris l'épée. On va loader et on va essayer de cast Berserk. Ouais mais le Yeti survivra pas à l'attaque finale je crois. Tout ça pour ça. Compétence. C'est démence? Non. En fait, je vais pas la voir, Berserk. Ah, c'est véhémence? Ok, Fury. Ok. Céleste. Oh là là, les pizzas à 7 euros, c'est pas en livraison. Allez, cassez-vous. J'ai l'impression. Ça a marché? D'accord. Je croyais qu'il allait clignoter en rouge ou une connerie comme ça. L'auréole, c'est... Ça dure tout le combat ou c'est un temps? Jusqu'à la mort?
pourrais Berserk Lock. Ouais, mais il va pas taper au corps à corps. J'ai une épée qui fait plus de dégâts. Je préfère le Ultima de FF7. Hein. Au niveau du bruit, je préfère le Ultima de FF7. Hein. Putain, mais faut le tanker à la fin, hein, sa merde là. Oh! Courage, Senna. Y a des combats hors des 100 ans ou pas? Oui. Ah oui, on peut pas s'enfuir. Je vais me permettre une... Je crois que je vais me permettre une safe state sur... Une safe state parce que j'ai tué le boss. Merci Super Sleep. Mais qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi je prends super cher? Porter 29 watts de sub. Joka Kakoi.
c'est qui ça? Ah, je crée le personnage. D'accord. Ils ont une défense de dingue, les mobs. Dans cette zone. Bon, on sort de là et direction... la tour de fin, on fera une petite coupure dans la VOD du coup. C'est cher en éther, hein, tout ça. Hein. Les moustachous. Je rêve ou Maro, il a attaqué entre mes deux sorts. Ouais, Stakis, ouais, je me doute bien. Et on était full HP et je mettais moins de 1000 tout à l'heure. Un endroit où on peut acheter des éthers plus. Est-ce qu'il y a une ville qui en vend? Comment ils peuvent me lancer les sorts entre mes deux? Incroyable. Chaque combat, je dois aller dans mes menus, me soigner, remettre l'équipe d'aplomb.
il me l'endorme, quoi, entre mes deux sorts. C'est insupportable. Si, mais il est pour Mog. Et il est pas dans l'équipe Mog. Tout le monde a moins de 1000 euros sur son compte. Il est mon 13e mois. C'est pour ça que t'es chaud, Tom, aujourd'hui. Qu'on voit après pour la collection. Il meurt. On n'a plus de magie. J'ai gâché les soins puisque j'ai oublié la petite Félix. Terre fois deux. Quand tu dis ouais, voilà, c'est ça, c'est qu'il faut descendre après.
mais le... Ouais, mais il marche pas dans ce donjon-là. Mais les combats aléatoires, c'est ce qui te fait XP. Là, je gagne des PA. Figaro Sud. Oh, le level du barrage des Tortues Ninja, je te le fais. C'est un jeu de mon enfance, les Tortues Ninja, donc c'est pas ce niveau-là qui me posait souci. Je l'ai refait il y a pas très très longtemps, je crois. Alors, faut acheter les objets, c'est où ici? Étrangement, tu vois, ce qui m'avait fait galérer quand j'étais gamin, c'était un saut dans les égouts, après. Saut où il faut marcher. Non, c'est un saut où il faut faire un petit saut, en fait. Maintenant, je le passe. Tranquille. Ok. Bon. Bah t'as pas Shadow. J'avais pas fermé ta... Non. Shadow, je me suis raté.
Où est la tour déjà maintenant? Ça c'est la tour des mages. Ah, au centre c'est les... au centre c'est de l'eau. C'est ça là? Mais non, ça c'est la tour. C'est la tour des mages ça. Ça. La tour est terminée et on a eu l'objet. Ah là. Allez, je sauvegarde. On se fait une petite pause pour couper la VOD, tout ça, tout ce qui va bien. Et on attaque le dernier donjon. Allez, pause et on revient tout de suite.